Pourquoi est-ce que les jardiniers viennent toujours à 8h30 du matin pour passer la tondeuse? Pourquoi? Ils ne peuvent pas attendre 11h, midi, venir l'après-midi? Pourquoi? Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui et une grande nouvelle pour démarrer ce vlog qui est tombé aux infos ce matin. Le mot YouTubeur entre dans le dictionnaire. C'est pas génial ça? Ouais non, ok, ça va changer la vie de personne, mais voilà. YouTubeur et Twittosphère aussi qui entre dans le dictionnaire. Donc voilà, je suis content. Et puis là-bas, on va reprendre la vidéo où on l'avait laissée hier, parce que hier soir, comme c'était déjà trop long et que en plus je faisais un deuxième resto dans la journée, je me suis dit je vais mettre ça pour le lendemain. Donc pour le vlog du jour, on va partir au japonais. Japonais à volonté, c'est un resto que j'avais déjà testé il y a quelques mois. D'ailleurs, je vous mets le lien ici si vous voulez voir. Donc du coup, je vais pas en faire des tonnes, je vais pas filmer non plus énormément, mais je vais tester d'autres trucs peut-être. Suivez-moi. J'arrive bientôt. Alors même si j'ai déjà fait un vlog sur ce resto, il n'y aura pas vraiment de doublons. Parce que la dernière fois, j'étais avec mon pote Faisal et lui et moi, on mange que des yakitori, que des brochettes. Là, j'y vais avec des gens qui normalement mangent des sushis, des makis, donc vous pourrez voir aussi à quoi ça ressemble. Formule à volonté, et voilà. Et j'avais promis à Margie, la chanteuse dont je m'occupe, que vous avez peut-être découvert dans mes précédents vlogs, j'avais promis que si elle arrivait à avoir le rôle pour lequel elle postulait dans la comédie musicale Madiba, et ben je l'inviterais à tester ce resto. Bon, je l'aurais invité quand même si elle ne l'avait pas eu, pour la consoler. Et donc voilà, elle l'a eu. Souvenez-vous, dans ce vlog-là, de sa première représentation, c'était trop plein d'émotions. Et donc là, voilà, on va tester le truc. Est-ce que je suis dans la bonne rue? J'espère. Je crois que ça y ressemble. Ah non, pas du tout. Ah merde, je suis pas du tout dans le bon boulevard. Excusez-moi, monsieur, le boulevard du Port-Royal. Plus haut. Plus haut? On peut pas non, le couper? Non, c'est le boulevard qui... Là, il passe au-dessus. Ah, il est au-dessus, voilà, je savais qu'il était pas loin. Et comment je peux remonter? Ouais, bah il y a les escaliers. Ah, super. Au niveau du pont, il y a les escaliers. Merci, bonne soirée. Voilà. Ça, c'est Paris, qui a des rues à plusieurs niveaux aussi. Il est là-haut, mon boulevard. Salut. 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 Ouais. Merci. Ouais, là. Ça vous dérange pas? Ça va. Parfait. Alors, je vous explique. Margie, voilà, vous connaissez. Voilà. Magina, sa tante. Elle a senti qu'il y avait à manger, elle est venue. Alors, ici, j'ai un truc pour cocher. Là, vous avez le menu. En fait, vous choisissez ce que vous voulez, c'est à volonté, mais petit à petit, parce qu'on a droit à 5 services. Même à quoi on a le droit de commander jusqu'à 5 fois, tout ce qu'on veut. Moi, je suis jamais allé plus de 3 fois. Alors, vous connaissez mon appétit, non, c'est bon. Mais en fait, c'est pour éviter de gâcher, en fait, qu'ils font ça. Okay. Et tout truc qu'on choisit, qu'on mange pas, ils font payer en plus, pour éviter de gâcher. D'accord. Donc, il vaut mieux commander petit à petit. Enfin, petit à petit. On va pas trop faire les gourmands, alors. Bon, bah, 5 services, t'as le temps. Voilà, vous avez compris? Donc là, c'est le moment où les gens réfléchissent. Et moi je vais noter. Margie est choquée parce que j'aime pas les sushis. Bah oui, tout le monde aime les sushis. Tout le monde a ses petits a priori. Genre, il y a un mec, quand j'ai mangé mon burger XXL, il y a un mec qui a laissé un commentaire sur YouTube, il fait: quoi? Tu l'as commandé à point, mais ça se mange saignant. C'est bon mec, chacun fait ce qu'il veut. Laisse-moi tranquille, je m'en commandais à point, je commande à point. Voilà, ça c'est le premier service. Bah ouais, là faut snapper ça. Voilà, donc là c'est quoi ça? C'est ça, sushi ou maki? Je connais rien. Ça c'est des California. California. Moi j'y connais rien en truc de poisson cru. Là on a commandé des crevettes frites là. Et avec ça, ah ça c'est les nems japonais. Ça c'est le poulet, ah ouais, du poulet frit, oui, ça n'a rien à voir aussi. Et puis voilà les brochettes, bœuf, fromage, boulet de poulet. Toi t'as commandé des brochettes et les nems. Voilà. Ça snap, voilà. Est-ce que vous aussi chez le japonais, il y a toujours un dilemme pour trouver où est la sauce sucrée, où est la sauce salée? En général c'est la plus grande. Il a dit que c'est celle-là, la salée? La sucrée? Il a dit que c'est la sucrée. Et la sucrée c'est combien sur le riz? Ouais. Voilà. Voilà, premier round. C'est parti. Ah oui, trop d'être fruits, j'adore. Hop, deuxième round.
Le premier round s'est bien passé pour l'instant. Très très bien, on a tout ce qu'il fait. Donc deuxième round, moi je dis, hein. C'est parti. Attention, voici le deuxième round. Et là je vais goûter des sushis. Je sais même pas si j'ai déjà goûté des sushis dans ma vie en fait. Vous allez moquer de moi, mais elle veut à tout prix que je goûte. Attention, je vais manger mes premiers. Parce qu'en fait, je dis que j'aime pas les sushis, mais je crois que j'ai jamais goûté. Il me semble. Hein. Et je devrais manger avec des baguettes obligatoirement. Moi je saurais pas t'expliquer parce que moi ouais, je peux prendre la fourchette. Tu peux prendre la fourchette. Non mais c'est pas élégant. C'est pas élégant. Ça, en fait tu dois pincer. Ouais, je suis pas mal comme ça. Moi je sais pas, moi je fais comme ça. Mais je saurais pas t'expliquer comment je fais en fait. Attends, je vais pas se taper. Ouais, mais ça va prendre 3 heures le temps que je. Attends. Alors, Florian, on va me dire, c'est vas-y. Oh, attends. Je manie bien la baguette au final. Ah, c'est elle, deux, elle. Trois. Dégustation. Vas-y. C'est bon. Non, c'est bon. Tu vois, je t'avais dit. Oh, non. Alors ce matin, j'ai dit que je détestais le quick. En fait, je me suis aperçu que j'aimais bien le quick. Et là, je disais que j'aimais pas les sushis. En fait, j'aime bien les sushis. Voilà. Au saumon, en tout cas. Voilà, c'est la journée. Voilà. Journée, il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. C'est trop bon. Ah, c'est bon, hein. Tu vois, je t'avais dit. Au revoir. Au revoir, bon, et ben voilà. We did it. Seulement deux rounds, hein. C'est le soir, voilà, mais des rounds bien achalandés quand même. Bref, je vous mets toutes les infos sur ce resto, sur tous les autres, sur dans la barre d'infos, voilà. Et puis sinon, on se retrouve comme toujours sur Facebook Florian en air, Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Florian en air. Et puis un petit pouce sous la vidéo si vous avez aimé. Et merci d'être de plus en plus nombreux à vous abonner. Ciao, ciao. C'est quoi, ma grande? Cadeau de mes vacances en Espagne. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça se mange? Bah, bien sûr. Enfin, ça, c'est la date pour consommer avant ou la date où ça a été fabriqué? Oh merde, c'est pas vrai. Non, mais c'est pas grave, c'est bon, 20 avril. 20 avril 2016.